Allez, bonjour à tous. Petite vidéo très courte sur comment créer un skin perso de votre voiture avec le logiciel GIMP sur ACC Corsa Competition. Et donc, ça fait 2-3 jours que je suis dessus. Au début, c'est très compliqué, mais quand on se donne la peine, ça va, on se débrouille pas mal. C'est amusant à faire. Allez, je vous montre. Je vais pas en détail, mais c'est juste pour voir ce qu'on peut déjà faire. Donc GIMP, c'est ça, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. En plus, c'est en temps direct, vous laissez le jeu tourner, vous faites votre skin, les trucs, les décorations, et vous validez après la voiture. Vous faites une petite. Comment dire, vous actualisez le jeu en cliquant sur là par exemple le 78, ou vous faites retour, vous faites un retour en arrière et revenez dans la voiture. Mais avant ça, il y a des étapes, je vais pas rentrer en détail comme j'ai dit. Allez, bon, je vous montre à peu près ce que j'ai déjà fait en seulement une matinée. Vous pouvez voir la bande rouge et noire, celle qui était déjà le logo Sparko, les images, les réseaux sociaux, les logos des réseaux sociaux, tout ça c'est des, faut télécharger un format PNG, c'est-à-dire les trucs en arrière-plan où c'est transparent. Hop, et le truc où je me suis bien amusé à faire, c'est ça. Attendez, je vais vous mettre l'écran sans ma tête. Et c'est pas mal du tout là. Hop, vous pouvez faire ça. Regardez-moi ça, 900. La voiture, c'est 900. Call. C'est un jeu de mots, c'est un truc, une petite blague. Appelez le 900 si vous pouvez. Et de l'autre côté, pas mal aussi. Bam, un panneau publicitaire. Et toujours pareil, après, vous faites comme vous voulez. Mais par contre, j'ai pas réussi à mettre les jantes de la couleur que je voulais, comme j'ai déjà dit. Même en faisant les étapes sur YouTube, qui disent commencer à choisir les trucs, c'est-à-dire la jante. Les trucs qu'on peut plus modifier, c'était les jantes, les phares, la couleur des phares, qu'on peut plus retoucher, le logo, la bannière sur le pare-brise et sur l'aileron, je crois. Et après, c'est ce qu'on peut pas toucher. Après tout le reste, peu importe la couleur que vous choisissez au départ avec le skin que vous voulez, on peut tout modifier après. Les jantes, donc les jantes, les phares, la couleur des phares, la forme des phares là où vous voulez que ça s'éclaire, et la bannière. J'ai pas réussi, ça a pas marché. Ça m'a mis ces couleurs de jantes. J'aurais bien voulu en noir brillant ou en noir mat, avec un petit liseré peut-être. Puis voilà quoi. Après, vous roulez avec ça et vous êtes content. Je pense que c'est cool d'avoir une voiture personnalisée à son goût, qu'un truc imposé. Donc GIMP, c'est ça, c'est gratuit ou téléchargé. Bref, c'est comme Photoshop, faut s'y connaître un petit peu. C'est très compliqué. C'est un peu dur au début parce que c'est tout nouveau, on est un peu paumé, mais après, on s'y fait. Voilà, après si vous voulez des détails ou vous voulez que je fasse une. Je vais remettre ma tête. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, comment créer son skin, bah on verra. Si je pourrais toujours vous le faire. Allez, bye!